Ma chère Dulcinée, quand je serai docteur en médecine, je reviendrai t'épouser. C'est ainsi que j'enterrais ma vie d'étudiant, dans la déchéance totale et l'ivrognerie solitaire. Je croyais alors mes illusions perdues, lorsque je fus le témoin involontaire des phénomènes les plus étranges qui soient, sans savoir qu'ils allaient bouleverser mon existence même. Quelle est cette aberration ? Ce récit en est la transcription très fidèle. Je n'ai jamais vu pareille chose. Ce n'est ni l'œuvre d'un marchand de houblons, ni le labeur d'un céréalier. La mère, le fromage sont de plus en plus cadenassés. C'est ce que tu dis à chaque fois, vieille croûte. Alors, quoi de neuf sur le grand fromage? Hélas, rien, les filles. Et presque peau de nique. Quoi? Tu n'as rien remonté d'autre? Foustra, on a tout ce qu'il nous faut. Je t'ai pourtant seriné que la nuisette des filles par Henri Bambel. Mais je ne veux pas quand même attaquer les enfants sans dans la rue pour leur arracher chemise. T'attaques pas les frontons, peut-être. Les mimolettes n'ont pas d'âme. Les chemises vivent sur le corps des humains. D'habitude, tu es plus courageux. C'est maigre que je suis. Pas courageux. Et si je n'étais pas maigre, je n'arriverais jamais jusqu'au fromage. L'heure du pissou et après, au plus paddock. On peut supposer que les corps se réchauffent mutuellement tant qu'il y a de la nourriture. Mais cela ne peut suffire à compenser le froid extérieur.
non plus que la déperdition de chaleur filtrant entre toutes ces planches. Espèce de tarte à limace! Torna! Mal conchi! Bise vilange! Torna la fin! Modifera de Schrödinger! Je ne saurais dire combien de semaines affligeantes je passais là-haut. Cette famille grotesque vivait selon des rites repoussants. Les jours sont brûlots d'enfer. Mais les vesprées virent au glacial ou noircellent de leurs brumes humidifiantes. Quant à la fameuse boule de beurre, je crois qu'elle s'approche d'heure en heure. Hé, papa, viens bouffer après. Oh, mais t'es là, toi. Les filles ont encore fait leur physique. Fais leur pompantiquer. Alors, papa, tu viens. La boule de beurre chauffe aussi fort que ça? Plus que ça. Cette bande Bekram Lakwan est mérotée jusqu'à l'âme. Ne lève donc pas le poing contre elle, mécréant. Pas un jour comme aujourd'hui. Allez, viens, on passe à table. Au commencement était le grand fromage. Là-bas, dans les profondeurs, tapis dans le brouillard, il ronfle, enveloppé de vapeur. Mais avant que le fromage soit, il y avait la boule de beurre qui règne parmi les nuées. Voyez les gras rayons qui fécondent le grand fronton. Alors il devint gros, grand, gras et pouf, il éclata, donnant naissance à la maison de la lune. Qui sombre au fond de l'abîme et flotte dans les ténèbres. L'homme et la femme grandirent et mirent au monde 12 enfants et tous furent nourris par la grande boule de beurre qui suinte au-dessus des limbes. Minable supercherie, ignoble imposture, grotesque. Dis donc, papa, pourquoi tu déranges-tu la leçon de religiosité? Parce que tu n'en fournes nos fifilles que de mensongesques. Le menteur, c'est toi. C'est même toi qui m'as causé de tout. De l'essence même de notre malheur et tout y. Mais arrête tes ragotages. Qui a eu l'idée de descendre sur le grand fromage? C'est moi. Et puis, c'est tout. Ouais, tout le monde y sait que t'es un malin et que sans toi, on crèverait la dalle. Les filles savent bien, elles, que je ne suis pas un vireux ni un crasseux bigot. Ose dire qu'autrefois, tu n'as pas ri à la face beurrée, juste comme tout à l'heure. Et que c'est pas depuis ce temps-là que la boule de beurre reste toujours derrière la maison? La boule de beurre, c'est un gros patapouf sans cervelle. Votre père qui n'a pas plus de cervelle à qu'un manche à balai. Oh, toi, la femme, je n'ai pas peur de toi. Les meules, elles tombent dans l'éternité. 12 roues se sont échappées. Un des enfants devra jeûner un mois plein. Faut-il toujours bouffer? Hélas, le nombre de fromages diminue à vue d'œil. Tu as bien dormi, papé? Moi? Tu veux peut-être un autre coussinet? J'ai pas le droit. Hé, bougre, j'ai rien dit. Tu ne vois donc pas que nous mourrons tous de la grande faim? J'ai pas le droit de descendre sans la lune. Ouais, on n'a pas le droit non plus de faire tomber les nourritures par la lucarne. Et mâchonnez doucement, les morpionnes. Et toi, mâchouille bien. C'est le dernier bout. Y a pas, faut que tu descendes. Allez, vas-y, mon homme. Allez, allez, c'est vraiment... La lune craint. Debout.
On sait que le nomade a tendance à fixer son camp en bordure des cités. Pourquoi ? Pour mettre son bien à l'abri de la chourave ou de l'incendiaire, et aussi pour préserver sa femme du regard concupiscent. La volière idéale, suffisamment haussée pour que, disons, un coup de tromblon ne puisse l'atteindre. Le gaz est la solution à tous ces problèmes de hauteur. Quant à la nourriture que choisit le bohémien, les poules, certainement pas. Mis à part le fait qu'une fois morte, elles pourrissent en quelques jours. Vivante, elles s'envolent trop aisément. Non, c'est le fromage, assurément, la denrée riche, compacte, durable, et qui soutient la comparaison avec la pasta de l'italien. Un jour, notre homme brigue la faveur d'une écuyère bien svelte, remonte avec elle juchée sur ses épaules, il chaparde de la literie et hop, il lui fait des enfants. Et voilà. Arrive le temps où lui n'est plus qu'un vieillard dessiqué et elle une grosse femme acariâtre. Quant aux enfants, qui n'ont jamais fréquenté ni école ni société, ils sont irrémédiablement crétinisés. L'homme n'est autre que le descendant de cette famille qui gîte en la lune depuis ces temps immémoriaux. Les Assyriens, voilà le peuple le plus ancien à en mentionner les phases. Il se pourrait qu'une fois, le bonhomme ait trop gonflé son ballon, hissant la maison lunaire à des altitudes phénoménales et la piégeant par là même dans le champ attractif du soleil. La moitié du monde occidental ou quoi? Et ça, c'est le pot de cul? Les habitants des fromages le portent sur la tête. Ils ont foutu le feu à leur ville. Ah ben, pourquoi donc? Qu'est-ce que j'en piche? Ils gesticulent, braillent comme des folles, puis alors, ils foutent par les fenêtres. Alors j'en profite pour rafler tout ce qui me tombe sous la main. Les filles, aujourd'hui, c'est festoie. Allez, allez, rangez vite ces trésors, pendant que papa et moi, on va remonter l'ombilique. Oh, mon grand balai, oh, mon diable sec, oh, ma branche d'homme, mon serment d'amour. Fonstra. Quel sort est le nôtre? Nous qui, par désespoir, fuyons la terre en quête de nouveaux dieux ou de forces supraterrestres. À notre retour, les hommes aussi nous rejettent. Et sans que nous ayons découvert cet ailleurs, on ne veut plus nous reconnaître comme citoyens de la terre. Cette mer hideuse de pourpre passait devant moi comme des éléphants écorchés qui rasaient de leurs ailes de feu mes cheveux calcinés.